Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni. Voilà, monsieur, bonjour, bienvenue à la rubrique Le point de Radio et Télémétropole. Ce matin, deux invités. Odombert de Total pour nous parler de ce concours sur le reboisement en Haïti et Florence Jean-Louis depuis dans un second temps pour nous parler de ce numéro de Stand Up Ladies ce week-end. D'abord avec Odombert, Madame Odombert, bonjour, bienvenue sur le plateau. Bonjour, merci, je suis ravie d'être là. Alors, et pourquoi un tel concours en Haïti? Parce que l'environnement est un sujet, la déforestation est un sujet dramatique en Haïti, il n'y a plus que 2% de la surface du territoire qui est encore des forêts, ce qui est très mauvais pour le pays, pour son économie, pour les paysans qui vivent de la terre. Et puis, il faut savoir que le bois en Haïti représente à peu près 3/4 de l'énergie consommée, que ce soit sous forme de bois ou sous forme de charbon de bois. Nous, Total Haïti, on est une compagnie pétrolière, on vend de l'énergie avec, sous forme de carburant bien sûr, mais également de gaz propane, ou avec, via les lampes solaires, et du coup on a une légitimité, un intérêt, une envie pour s'engager contre la déforestation. Et c'est la seule motivation? Oui. Donc, le concours a déjà débuté, s'est déjà lancé? Le concours est lancé officiellement depuis début février, la partie des inscriptions. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 31 mars. Tous les projets qui veulent participer peuvent s'inscrire soit en ligne sur notre site internet www.totalhaiti.com, soit via des formulaires papier qu'ils peuvent trouver sur toutes nos stations-service, dans les agences de la Sogexpress et dans les agences de Palmis Microfinance. Mmh. Et ensuite, il faut remplir ces formulaires et les remettre sur nos stations-service. À la suite de ça, c'est nous, Total Haïti, qui contactons les projets. On a un certain nombre de questions à leur poser, de critères à évaluer, pour à la fin définir les gagnants dans les différentes catégories que nous avons mises en place. Vous parlez de catégories, parlons maintenant des secteurs ciblés étudiants, paysans ou encore des gens de la paysannerie, jeunes. Quels sont donc les secteurs ciblés dans le cadre de ce concours? Le concours se veut le plus large possible, ouvert à la plus large population et possible, au plus grand type d'organisation qui existent. C'est pour ça qu'on a mis en place plusieurs catégories. Les plus petites catégories, où il y a peu d'arbres plantés chaque année, une petite surface, sont généralement des projets qui sont montés par une personne, une communauté, un groupement de base. Mais on a aussi des catégories beaucoup plus grandes, où là peuvent candidater des ONG, des associations, pourquoi pas des organisations internationales, si elles ont envie, pour que tous les acteurs qui agissent contre la déforestation puissent avoir une chance de gagner, puis s'exprimer, montrer ce qu'ils font, ce dont ils sont capables et qu'ils le font bien. Un petit rappel sur les modalités de participation. Comment, qu'est-ce qu'on fait pour y participer? Alors, c'est ce que je vous ai dit. Le formulaire d'inscription est le plus simple possible. Il faut rentrer son nom. Ils sont disponibles dans les stations de service de Total? Oui. Et dans les agences de la Sogexpress. Mmh. Et de Palmis Microfinance, qui est un institut de microfinance dans le pays. Donc, on récupère ce formulaire d'inscription, qui est assez simple. On remplit les informations. Et ensuite, il faut rapporter ce formulaire d'inscription sur une station-service Total avant le 31 mars et la remettre dans une grosse boîte qu'il y a sur toutes nos stations. Mmh. Et ensuite, nous, on récupère ces formulaires, on appelle les gens, on leur pose un certain nombre de questions, de critères d'évaluation sur comment fonctionne leur projet, combien d'arbres ils plantent, combien chaque année, combien d'espèces différentes par exemple, combien il y a de personnes engagées dans l'association ou dans l'organisation, est-ce que l'organisation est financée, est-ce qu'elle gagne de l'argent, est-ce qu'elle... Plein de questions, voilà, comme ça. Ensuite, il y a une évaluation sur le terrain qui est prévue pour vérifier que ce qu'on nous a dit au téléphone au préalable est exact. Ces évaluations sur le terrain seront faites par des étudiants en dernière année de différentes facultés d'agronomie dans le pays avec qui nous avons signé des partenariats au cours du mois, fin mars probablement, avril-mai. On espère que toutes les évaluations seront finies d'ici fin mai. Mmh. Et au cours du mois de juin,
le jury, le comité qui a organisé ce concours, qui est composé de personnalités de la société civile haïtienne, se réunira pour regarder les résultats des évaluations des différents projets, choisir les gagnants dans chaque catégorie. Et les prix seront remis lors d'une cérémonie qui aura lieu le 25 juin. Avant de parler de la cérémonie de remise des prix, restons encore à la phase de l'inscription. Elle n'est pas payante ? Non, l'inscription est complètement gratuite. Tout ce qu'il y a à faire, c'est de remettre le formulaire sur une station-service. Alors, un petit détail, une petite précision. Mm-hmm. On aura tout simplement à remplir le formulaire. Oui. Et c'est à partir des réponses que vous allez décider de qui est gagnant ou pas. C'est ça. Le formulaire est très simple parce que, une fois de plus, on veut pouvoir s'adresser à tout le monde, y compris à des gens qui, peut-être, comprennent mal le français ou ont des difficultés pour écrire. Donc, le formulaire d'inscription est très simple. La seule chose, c'est qu'on ne va considérer cette année, au moins, que les projets, que des projets qui existent, qui plantent des arbres depuis au moins 3 ans, mm-hmm. Afin d'avoir un historique de leur efficacité, de leurs résultats. Mais pour l'inscription, ils peuvent c'est juste un formulaire à remplir, très simple. La suite se passe par téléphone. On a quelqu'un chez nous, chez Total Haïti, qui les appelle pour leur poser toutes ces questions-là, voir s'ils sont disponibles pour y répondre au moment où on les appelle. Sinon, on les rappellera, il n'y a pas de problème. C'est nous qui nous occupons de toute la logistique après. La seule chose que les projets ont à faire, c'est de s'inscrire en remplissant le formulaire et en le déposant sur une station-service Total. Donc, il suffit d'avoir une pratique dans le reboisement. C'est ça. On a l'habitude dans le domaine et on participe au concours. C'est ça. En remplissant un formulaire. Voilà. Pas de texte à rédiger. Non. Pas de chanson, non. Pas de vidéo, rien du tout. Aussi rien simple du que tout. Cela. Aussi simple que ça. OK. Et pourquoi avez-vous choisi de faire partie du comité et jury du concours Alors, le comité, on l'a composé avec différentes personnalités de la société civile haïtienne, parce que on veut aussi que notre concours représente les Haïtiens, que ce ne soit pas juste quelque chose qui soit mis en place par une compagnie étrangère composée de Français comme moi. Donc, on a plusieurs personnes qui travaillent avec nous là-dessus, qui étaient là, par exemple, quand on a fait la conférence de presse qui a lancé le concours. Il y a Harry Nicolas, Maître Feuille Verte, qui est dans notre comité. Il y a également l'agronome Florence Sergile, qui est professeur d'agronomie à l'Université de Floride. Gilbert Gonzalez, des Cafés Rebo. Il y a Pierre Chauvette, en tant que représentante de la FAN, la Fédération des Amis de la Nature. Mm-hmm. Il y a également une Mambo, Evonie Auguste, et un prêtre catholique, Franz Grandois. Donc voilà, on a essayé de réunir des gens avec des profils assez différents qui sont et le chanteur Jean-Jean Roosevelt, faut surtout pas que je l'oublie parce qu'il fait beaucoup pour nous d'ailleurs. Tous ces gens ont un engagement personnel et professionnel pour le développement, pour l'environnement d'Haïti au sens large, pas simplement pour contre la déforestation. Et donc, ils font partie de ce comité, ils nous ont aidés, c'est avec eux qu'on a choisi le nom du concours, Combit Reboisement, le logo, qu'on a mis en place des différentes règles, les critères d'évaluation, et c'est eux qui, à la fin, choisiront les gagnants. Quels sont les résultats escomptés sur le long terme, par exemple? Alors, nous, notre objectif, c'est de refaire ce concours tous les ans. Et donc, petit à petit, on espère que d'ici quelques années, il y a des projets qui participeront, qui auront commencé parce qu'ils savent que le concours a lieu et qu'ils peuvent gagner quelque chose tout en améliorant leur pays. On espère aussi, surtout, créer la conversation, un débat public autour du problème de la déforestation en Haïti. Alors ça, c'est vraiment sur le long terme. Peut-être changer un petit peu les choses et inverser la tendance. Mais ça, c'est un travail de longue haleine et qu'on ne maîtrise pas, nous, personnellement, puisque nous, Total Haïti, on ne va pas planter nous-mêmes des arbres. Ce qu'on cherche vraiment à faire, c'est à aider et à mettre en valeur ceux qui font déjà ce travail, un excellent travail, et qui le font bien. Et qu'est-ce que les gagnants vont avoir comme prix? Alors, en tout, il y a une enveloppe globale pour les prix qui est 1 million de... Non,
plus que ça, 4 millions de gourdes à gagner en tout, qui sera répartie entre les différents gagnants. Je ne peux pas vous dire à l'heure actuelle exactement quel montant sera pour le premier prix, pour le deuxième prix, pour telle ou telle catégorie. Parce que ça va dépendre un petit peu, ça va dépendre de plusieurs choses. D'abord, de nos sponsors, on en a déjà quelques-uns, on en cherche d'autres. Donc si vous êtes une entreprise haïtienne et que vous souhaitez nous encourager, vous pouvez sponsoriser ce concours. Tout l'argent que nous recevons des sponsors ira dans les primes que nous remettrons aux gagnants. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on est aussi à l'écoute justement des projets par rapport à leurs besoins. On est prêt et intéressé pour donner ces primes en équipement pour certains projets s'ils en ont besoin. Donc, dans les questions qu'on leur pose à l'heure actuelle, quand on les contacte, il y a une question sur de quel équipement vous avez besoin. Mmh. Et ça, ça va aussi déterminer, bien sûr, les primes qu'on donnera aux différents gagnants. Et est-ce que le concours est national ? Le concours est national. Vous pouvez être dans n'importe quelle région, n'importe quel département d'Haïti pour vous inscrire. Madame Aude Humbert, vous êtes de Total Haïti. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les moyens de contact, à part les stations de Total, et si quelqu'un a besoin de quelques explications supplémentaires, comment ? Alors, pour les explications, vous pouvez aller sur notre site internet www.totalhaiti.com, sur notre page Facebook également www.facebook.com/totalhaiti. Cette page est vraiment faite, n'importe qui peut poser des questions sur cette page directement. Et il y a également un numéro de téléphone que évidemment m'échappe, qui est le je ne sais plus le numéro de téléphone, c'est dramatique, je suis très mal préparée. Voilà. Mais ce numéro de téléphone est sur tous les formulaires d'inscription. Donc si vous allez dans une station service Total, dans une agence de la Sogexpress ou dans une agence de Palmis Microfinance, vous pouvez récupérer ces formulaires, vous avez le numéro dessus, vous pouvez appeler ou envoyer des SMS, vous aurez pour avoir toutes les informations dont vous avez besoin. Merci Aude Humbert, responsable lampe solaire, coordonnatrice concours Combit Reboisement organisé par Total. Merci infiniment. C'est moi qui vous remercie. Passez une bonne journée. Voilà, madame, monsieur, pour la première partie de la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Ne quittez pas, on vous revient pour vous parler de ce prochain numéro de Stand Up Ladies. Ne quittez pas. Merci. Le Point est une courtoisie de MSC Plus, MSC Trading et Maché Titoni. Merci, madame, monsieur, de votre intérêt et de votre patience. Nous allons parler de ce prochain numéro, évidemment, de Stand Up Ladies, prévu pour ce week-end, ce dimanche, disons mieux, à Caribe. Mais avant, nous accueillons sur le plateau Christina Guérin et Florence Jean-Louis Dupuis. Mesdames, bonjour, Marc, on avec qui est-ce que vous commencez avant. D'ailleurs, toujours dit mesdames, dames. Bonjour. Les femmes d'abord, on parle des garçons là. Et bonjour. Bonjour Florence. Bonjour. Bonjour Wendel. Bonjour Christina. Bonjour. Est-ce que nous pouvons vous inviter nous là matin? Eh bien, je n'habite pas loin, je viens de boire un café dans la métropole, non? C'est pas ça? Moi, je présume que dans l'actualité qui est très, très, très sensible semaine, ça y est, il faut un petit espace, un petit oasis pour autre chose. Donc, je présume c'est pour ça qu'on invite le matin. Alors, et, malheureusement, je n'ai pas tellement aimé faire mon fait jalousie. Ça fait que je ne dis qu'on gagne raison. Voilà. Parce que ça, madame Nabdi, là, c'est que l'autre invité, c'est pas toi, Aziz, du tout. Non, mais c'est vrai c'est qu'on a... Alors, on a passé toute la semaine à ne parler que des violences. C'est pourquoi on a eu un prêtre, une mambo. Oui. Et oui, on a fait un peu de politique aussi cette semaine, mais surtout, on a parlé des violences. Oui. Et les bandits qui s'en prennent aux religieuses, etc. Donc, et même aux Ougans aussi, Même aux Ougans, voilà. Alors, le problème, c'est que La violence est présente dans la vie en Haïti aujourd'hui et les gens, on a l'impression, ne rient plus. Ils n'ont pas ri encore. C'est un environnement très, très stressant, effectivement. Et pouvoir rire de certaines choses, c'est... En fait, c'est un choix.
C'est bien sûr, il y a des réalités tellement dures que c'est difficile de prétendre de pouvoir rire, mais dans souvent dans beaucoup de cas, c'est un choix. C'est une, on décide d'avoir une perception X ou Y de certaines choses. Mmh. Et moi, je m'arrange, mais c'est un exercice que je fais depuis longtemps pour voir le côté ironique, amusant, créatif de tout ce qui se passe. Et ça, là où d'autres personnes peuvent être perplexes, vous allez me voir souvent en train de rire ou de prendre des notes. Et c'est difficile de procéder de cette manière encore, d'arriver à faire rire les gens. Je crois que c'est un tempérament. C'est un, il faut avoir quelque chose naturellement chez soi, une disposition à le faire. Je crois que les gens qui font rire en général sont des gens qui vivent un peu dans leur dans leur bulle, qui arrivent à prendre du recul aussi avec, avec la réalité. Je serais tellement content si j'avais ce pouvoir, le pouvoir de faire rire Mais les gens. Écoutez, c'est beaucoup plus difficile de faire rire que de faire pleurer. Et actuellement en Haïti, on vit une période où il y a beaucoup de tensions. Donc choisir de faire rire dans cette période, je présume que c'est d'utilité publique. Oui. Mais cependant, c'est assez difficile de convoquer des gens et de leur demander de s'amuser dans une période où il y a beaucoup de tensions. Donc c'est ce défi qu'on s'est lancé, nous autres, parce que depuis la présentation du deuxième Stand Up Ladies en décembre 2014, tout le monde nous demande pourquoi on ne reprend pas. Ça a été très difficile de le reprendre en janvier, on y a renoncé, et on se lance cette fois-ci en mars, ce sera ce dimanche 15 mars, au Caribée, où nous allons présenter le deuxième numéro de Stand Up Ladies. Alors, les gens me demandent tout le temps, est-ce que c'est différent? Oui, c'est un autre spectacle. Les gens n'ont pas l'habitude, comme à l'étranger, des séries télévisées ou de production avec un label. Stand Up Ladies, c'est un label. Donc, il y aura un, deux, trois, peut-être sur une autre forme. C'est un label, c'est le deuxième spectacle. Et nous invitons les gens à venir se détendre. Nous savons qu'ils en ont besoin. Nous les invitons à venir passer un moment de pur plaisir. La place de l'improvisation dans une représentation, dans une présentation de Stand-Up Ladies, quelle est la place de l'improvisation? Alors, je ne peux parler que de mon numéro, donc je devrais peut-être laisser Florence... Non, je te laisse parler, oui. Puis après j'interviendrai pour dire. Voilà. Contrairement à cette dame... Est-ce que tout doit être préparé? Il faut tout préparer. L'improvisation doit être prévue. C'est-à-dire, si jamais j'ai un creux ou j'oublie ce que j'ai à dire ou quelqu'un intervient dans la salle, quelle sera la direction que je vais prendre? Donc, ce n'est pas exactement texto, puisque si c'est une improvisation, on ne sait pas dans quelles circonstances on va la faire. Par contre, il faut déjà à l'avance explorer des pistes pour une improvisation. Parce qu'il peut y avoir, je ne sais pas, une panne de micro, n'importe quoi. Quelqu'un dans la salle qui s'amuse à répondre. Quelqu'un qui vous taquine pendant que vous êtes... Voilà. Donc, déjà de savoir si ça se présente, dans quelle piste on va aller. Maintenant, bon, ce ne serait pas une improvisation si on étudiait ça. Mais même les stand-up qui ont l'allure la plus naturelle, ce sont des trucs qui sont préparés, étudiés, écrits. Vous n'avez qu'à voir quelqu'un comme Kavanagh qui fait 300 spectacles une année, par exemple, ou bien qui joue, je ne sais pas si pendant une année, mais un spectacle au moins 300 fois, ce qu'on aurait adoré faire. Hein. Oui. Mais bien sûr, c'est du par cœur. Mais il est tellement à l'aise dans son texte qu'il a l'air d'être en train de l'inventer pendant qu'il le dit. Mais c'est... Je crois que l'une des critiques qu'on a reçues, c'était justement que un des spectateurs qui a assisté au stand-up de nous dire que ça ressemblait beaucoup au théâtre et que ça manquait un peu de spontanéité. Mais pour notre gouverne, je vais répondre que pour pouvoir échanger avec le public, il faut que le public réagisse. Et le public haïtien n'est pas un public tellement habitué au stand-up. Donc, très souvent, il reste encore timide, il ne réagit pas, d'où la difficulté pour nous parfois d'entamer un dialogue avec lui. Mais même là, je crois qu'il ne faut pas se figer dans un format de stand-up. Parce qu'il existe différents types de stand-up. Le stand-up à l'américaine qui ressemble plus à de l'improvisation, où vraiment l'humoriste est en train de dialoguer avec le public et va le chercher, va le taquiner, va le solliciter. Et le stand-up à la française, où il y a des sketchs, où c'est plus préparé, c'est plus théâtre. Donc, effectivement, on essaie autant que possible d'impliquer le public, on essaie de le relancer, mais le public haïtien n'a pas encore vraiment l'habitude d'interagir.
OK. Mais dans l'un ou l'autre cas, le plaisir est là. Le plaisir est là, égal. En le tout rire, cas, surtout. En tout cas, les réactions nous le montrent. Les gens nous disent, vous nous faites un bien fou. Et nous, on est très contents parce que c'est toujours plus difficile de faire rire que de faire, rire que de faire pleurer. Bon, moi, les deux sont possibles. Moi, je ris, je pleure quand il le faut, mais je n'arrive pas à faire rire tout le temps, encore moins à faire pleurer. Alors, mesdames, on va être d'accord que le stand-up ne faisait pas partie de la vie, encore moins de la culture des Haïtiens. Est-ce que le début a été difficile et qu'est-ce que vous entendez faire pour que cela devienne ou fasse partie intégrante de la vie même des Haïtiens à l'avenir, évidemment? Bon, on ne va pas dire... Est-ce qu'on va le faire à travers des représentations cycliques ou encore régulières? On ne va pas dire que ça a été des débuts difficiles pour nous. Moi, je peux dire que je suis arrivée au stand-up plus tardivement que Christina, qui avait déjà une certaine expérience et qui le faisait dans le cacophonie et qui le faisait aussi, je pense, avant. Oui, depuis, j'ai commencé en 2005. Oui, Christina était une pionnière, donc je vais la laisser parler. Mais mon expérience avec le stand-up, je n'ai pas rencontré de grandes difficultés extérieures. Oui, c'est-à-dire que le public que voulez, a tout de suite... Quand je parle de difficultés, mm-hmm. je voulais surtout parler de compréhension c'est mutuelle ça, c'est entre le public et vous, ou encore entre les spectateurs et vous, parce que normalement, on pouvait se mettre en tête qu'on allait applaudir un comédien, un homme de théâtre, un blagueur. Et alors qu'à vous entendre parler, c'est pas le cas, c'est plutôt différent, c'est pas du théâtre que non, que non. Justement, je trouve que le public a très bien réagi. Le public du théâtre, il y a des amateurs de théâtre qui sont en Haïti, qui sont plus limités, le public du théâtre est plus limité. Le public du stand-up, au contraire, nous a ouvert d'autres horizons. Mmh. En tout cas, je parle de mon point de vue, peut-être pas du point de vue de Christina, parce que moi, je viens du théâtre. Je pense que j'ai pu conquérir un plus large public avec le stand-up parce que c'est plus accessible. Le théâtre, surtout le théâtre contemporain, exige un petit peu plus de réflexion, si vous voulez, va solliciter le spectateur vers des émotions qu'il n'a pas forcément envie d'éprouver. Donc, je vais laisser Christina, Christina, comment ses débuts ont été avec le stand-up. Mais les miens, je dois dire que le public a réceptionné à 100%. Ça fait bientôt 10 ans, non? Oui, ça fait déjà 10 ans. J'ai commencé avec le groupe Cage, Caco HT. Et je dois dire que là, le public maintenant pour les stand-up ladies n'est pas nouveau pour moi parce que ça a toujours été mon public. Ce public large ou qui vient pour rire, pour se détendre et qui n'a pas envie, effectivement, de s'entendre raconter. En fait, c'est Caco qui a été le pionnier en matière de stand-up vraiment ici, mais je crois que je suis la première femme à l'avoir fait, en fait. Et donc, je suis entrée dans ce projet, comme on dit, tête baissée, hein, parce que c'était familier pour moi. J'avais une envie depuis 5 ans de retourner dedans, parce que je l'ai fait de 2005 à 2008, tous les ans, non-stop, et puis en 2001 que j'ai le premier, en fait, pas 2005. Et 2005, c'était mon spectacle à moi. Et puis ensuite, j'ai fait une grande pause pour des raisons professionnelles. Donc avec le festival Juste pour rire en 2013, j'ai pu entrer dedans encore. Donc c'était un retour. Personnel ou professionnel? Professionnel, oui. J'étais vraiment prise jusque-là dans le boulot. Il n'y avait pas de place pour le rire à ce moment-là. Okay. Et j'ai souffert pendant cette période-là, comme vous pouvez supposer. Et donc là, je suis retournée avec plaisir, mais c'était une ambiance familière. Et vraiment, et c'est à l'occasion de Juste pour rire que j'ai pu rencontrer à nouveau Florence, que je connaissais, Cynthia, Jean-Louis. On va bientôt terminer. Mm-hmm. Mais ça ne vous surprend pas de constater qu'il n'y a pas suffisamment de place pour le théâtre, le rire, à la radio et dans Il y a de la place, il n'y a pas les fonds. Ou bien on ne veut pas les investir dans la culture, mais il y a de la place. Il y a vous énormément de place. Par exemple, à faire du stand-up à la radio. À la radio, ça ne s'appellerait pas du stand-up, mais ce serait une émission live humoristique, mais bien sûr. Et à la télé? À la télé aussi, oui. À la télé aussi, c'est possible. Il suffit d'y penser, de le vouloir et de s'y mettre.
Oui. Mais il faut avoir les fonds d'abord. Le problème avec la production télévisée, c'est qu'il faut des fonds. Ça coûte, vous devez en savoir long. Ça coûte beaucoup plus que la radio. Et il y a encore une grande paresse à investir dans la culture ici. Donc, pour moi, parce que je vis dans un milieu où il n'y a que des créatifs, du talent, ça déborde de talent et de créativité. Donc je travaille avec des jeunes qui sont extraordinaires. Et donc, ce n'est pas le talent qui manque, ce n'est pas l'inspiration, ce n'est pas les projets qui manquent. Il manque les fonds pour et les réaliser. Qu'est-ce qu'on a fait pour faire que Mounio investisse dans ça? Eh bien, un fonds SOS dans la télévision matin. Non, 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 parce que quand même, on parlait de culture. Et oui. Est-ce que c'est yo choisi dans quel domaine pour investir, par exemple? Moi, j'ai le bal qu'on a fait, on a un peu de sponsor investi là-dedans. Moi, lorsque j'ai un carnaval, un peu le monde investi là-dedans. Pour qui ça, par exemple, au niveau du... Bah, on est dans le domaine, ça a une réticence. Dans le domaine, je pense que c'est parce que c'est un chemin à tracer. C'est un chemin à tracer, ça n'existe pas encore. Donc, il faut qu'on arrive à amener les producteurs à s'intéresser à des shows télévisés produits en Haïti et produits par des Haïtiens. Plutôt que de prendre les shows qui viennent de l'étranger et de les diffuser. Je pense que de toutes les manières, on va vers ça. On va vers ça. Plus on va s'avancer dans le digital, plus on va devoir aller vers une production spécifiquement haïtienne et investir. Et je crois qu'il y a des stations, qui commencent déjà à faire l'effort. J'ai cru entrevoir quelque chose comme une production de télé-réalité avec des chefs. Je pense même que ça se passe à Métropole. Oui, c'est sur Métropole. Et moi, personnellement, j'ai été contactée par la télévision, Radio-Télévision Caraïbe et Magique 9 pour une production de show, de show même humoristique et pour la diffusion de mes shows sur ces médias. Parce que je pense que c'est déjà un grand pas. Je sais qu'il y a des pays où l'on investit beaucoup dans ce genre de choses. Et là, la demande est là. La demande du public. Oui, la demande du public est là. Je fais l'expérience maintenant, j'ai le feuilleton et Zoukouta qui est à la radio, sur 39 stations de radio. Donc de temps en temps, on passe faire des interviews. La demande que j'ai le plus, c'est pour qui ça pas dans la télévision. Et je suis, c'est ça, parce que j'ai choisi la radio comme média, sachant que ça pourrait atteindre le plus de monde possible, puisque c'est du... Et l'éducation par le divertissement, donc je dis ok, radio, premier média. C'est moins coûteux aussi, oui, je pense. C'est bien moins coûteux. Mais ça atteint beaucoup plus de monde. Mais la demande pour la télévision, je suis étonnée de voir à quel point c'est notre demande numéro un, c'est de le mettre en télévision. Alors maintenant, comment faire? Écoutez, non, il faut... Est-ce que faut nous parler des cobla ou maintenant peut-être que cobla vient de Je pense que seul, on ne peut pas. Je pense qu'il faut que des producteurs, des créatifs comme nous s'allient à des responsables de médias comme Métropole et Radio-Télévision Caraïbes, Magique 9, etc. pour qu'il y ait de plus en plus de shows télévisés d'origine haïtienne faits en Haïti, pur natif natal. Je pense que ce n'est pas une mauvaise idée. Parce que le public est prêt. La demande est là. Écoutez, moi j'ai fait une expérience exceptionnelle avec Café du Soir. Je suis une personne qui vit dans sa bulle, toujours entre mon travail, mon école, mes spectacles et mon chez-moi. Je suis sortie un jour par hasard à 6 heures du soir, j'étais en train d'acheter des fruits sur la route de l'Alu. Et c'était l'heure où on libérait les élèves d'une école du soir. Les élèves se sont groupés autour de moi à me demander des autographes, à me dire de saluer les autres personnes. Je participe au show Café du Soir. C'est à ce moment que j'ai vu l'impact de la télévision en Haïti. Donc, vous imaginez qu'il y a mieux? J'imagine. Moi, je ne le savais pas. Vite teinté, incognito. Je fais du théâtre depuis 20 ans. Donc, le théâtre ne m'a jamais apporté cette popularité-là. Donc, vraiment, l'espace télévisuel, audiovisuel, c'est un espace ouvert à conquérir. En tout cas, mesdames, les médias sont prêts, le public est prêt. Maintenant, on attend que les sponsors soient prêts. Alors, on fait premier sponsor, un deuxième sponsor, un pour faire voilà. Allez-y. Donc, on attend une proposition de Richard. En sortant d'ici. Vous parlez de Richard Stein. Mais de qui d'autre, Paul? De Richard Wittmeyer. De qui d'autre? Pour une production télévisée. Pour une production télévisée, pourquoi pas? Humoristique, alors. Humoristique. C'est humoristique, pourquoi pas. Vous savez ce dont je suis sûr, madame. Avant de laisser la radio, il y a quelqu'un d'autre qui va vous appeler. C'est vrai? Oui.
Eh bien, on va voir. On va voir. Alors, avant de partir, le numéro de Stand Up Ladies de ce dimanche, ce sera à Caribée à quelle heure? Ce sera à Caribée à 7h du soir. Soyez à l'heure. En général, on attend le public 15 minutes et on commence. Ce sera ce dimanche, 15 mars, au Caribée, à 7h du soir. Les cartes sont en vente à Noveltex et aux librairies La Pléiade à 2000 gold. On vous attend. Merci, madame. Merci, bonne journée. Merci, Wendell. Voilà, madame, monsieur, pour pour la deuxième partie de la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole, Florence Jean-Louis Dupuis et Christina Guérin. Merci de votre intérêt. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une bonne journée et surtout un bon week-end avec Métropole. Et à lundi. Au revoir, mesdames. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titonique.